On va revenir donc sur l'inventaire du joueur. Donc au niveau des tailles, je vous rappelle que mon UI Inventory fait 700 par 500, moins le padding de la vertical box qui fait donc 50 et 50 pour left, right, 90 et 80 pour top et bottom, ce qui me fait en gros du 400 par 530 sur la hauteur et la largeur. Donc moi ce qui m'intéresse surtout là, ça va être la largeur. Alors, on va devoir créer un nouveau widget pour l'interface de l'inventaire du joueur. Donc, l'interface de l'inventaire du joueur, c'est l'endroit où va apparaître l'icône de l'objet ramassé, le nom et la description qu'on retrouve, hein, ce qu'on avait paramétré pour chaque élément. Je vais le réouvrir. Je vais prendre par exemple, voilà, par exemple l'objet de quête. J'ai ici l'icône, le type, la valeur, ce qui est stockable, etc. Donc nous, ce qu'on va faire apparaître, c'est le nom, la description et l'image. Et éventuellement même d'ailleurs la valeur. Donc pour ça, il faut que je crée un autre widget qui va s'insérer dans ce widget-là. Donc je vais aller dans mon dossier HUD. Je fais un clic droit. Hop, User Interface. Widget Blueprint. Donc je vais l'appeler UI. Item, puisque voilà, ce sera juste pour les items. Je double-clique dedans. Donc ici, je vais donc récupérer la taille, hein, que je vous avais dit 400 par 530. Alors moi, c'est plutôt la largeur là qui va m'intéresser dans un premier temps. Je vais mettre un petit border. Hop. Voilà. Le UI item. Alors ça, justement, le size là que j'ai ici. Je vais le mettre, le fill screen, pardon, en custom. Et je vais lui mettre directement, je vais lui renseigner directement la largeur souhaitée. Donc ici, je vous rappelle, c'est 400. Pour la hauteur, on va augmenter un peu, on va mettre 125, on va voir ce que ça donne. Voilà. Mon border, je vais mettre un encore qui va s'adapter à l'intégralité de mon canvas panel. Ici, je vais mettre dans le brush color A0 en alpha. Voilà. Ensuite, donc, il va falloir que je fasse les mises en page à l'intérieur. Donc, ce qu'il me faut en gros, c'est ici l'image de l'objet ramassé, puis ici son nom, sa description, sa valeur, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un horizontal box dans un premier temps. Horizontal box que je mets dans le border. Voilà. Dans l'horizontal box, je vais mettre l'image item. Donc image, hop, je le glisse dépose dans l'horizontal box. Voilà. Donc ça, je vais le renommer d'ailleurs. Je vais le renommer tout de suite image item. Alors je sélectionne mon image. Image item. Ici, donc je vais chercher le nom de mon image. Donc on avait mis OBJ. Potion Live, donc je vais prendre l'objet de quête par défaut. Ok. Pour ce qui est de la taille, donc là il va pas pouvoir prendre 150 de haut puisqu'on avait réglé la hauteur à 125. Donc je vais mettre ici 125 par 125. Voilà, image size, donc là on est bon. Ensuite je vais mettre un petit espace, donc je vais mettre juste un spacer. Voilà, après l'image item. Donc le spacer, je vais mettre un left à 10. Ok, et ensuite je vais rajouter donc une vertical box que je vais mettre après le spacer. Voilà. Dans cette vertical box, donc là je vais mettre fill pour qu'il prenne le restant. Dans cette vertical box, je vais rajouter donc le nom, le nombre et la valeur et la description. Donc là, je vais aller dans texte. Donc ici, il me faudra le nom de mon item.
item. Ici, la description. Ici, le nombre. Donc, du coup, je vais peut-être faire une horizontal box. Après, vous faites la mise en page que vous voulez, hein, bien sûr. Là, c'est juste un petit test. Hop, une horizontal box avec à l'intérieur donc un texte ici. Et je vais remettre. Bah, je vais dupliquer, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, on va mettre du texte en attendant, mais ce qui est important, c'est de renommer ici le nom du bloc. Donc, le premier, ça va être name. Le deuxième, ça va être description. Ensuite, ici, on va mettre le number, donc le nombre d'items. Et ici, on va mettre value, donc sa valeur. Voilà. Donc là, on peut mettre un truc en attendant. Hein, c'est après, on va le remplacer de manière dynamique. Donc ici, ça va être par exemple objet de quête. Mais après, ce qui est pas mal, c'est de voir si la taille du texte du coup est bonne ou pas. Ici, donc ça va être permet de débloquer l'étage 2, bah 3 par exemple. Ici, donc on va mettre le nombre, on va mettre 1. Sa valeur, on va mettre 5. Donc voilà en gros à quoi ressemble pour le moment notre élément. Donc on voit qu'ici ça dépasse. Donc ça, on va devoir le reparamétrer. Donc on va changer la taille du texte. Voilà ici, color opacity, font. On va mettre à 12. Voilà. Objet de quête, on va le baisser un peu aussi. On va le mettre à 18. Le nombre, bah, à la limite on peut laisser en grand le nombre. Ce qu'on va faire par contre, c'est que on va peut-être faire en sorte que les éléments soient opposés. Donc, on va mettre fil ici, fil. Voilà. Donc ici j'aurai la valeur et ici le nombre. Ok. Ce qu'on va peut-être faire d'ailleurs, c'est rajouter dans notre vertical box un peu des paddings sur le côté, histoire de mettre un peu d'espace. Très important pour la lisibilité. Alors pas en top, pardon, mais en left, on va mettre 10, en right, on va mettre 10. On va le mettre aussi en bottom. Ça, vu que vous allez voir, ça va se cumuler les uns sous les autres. Ça sera pas mal de le faire. Et puis dans l'horizontal box, quoique les images ont touché, non, ça ira comme ça. Oui, je vais peut-être juste rajouter encore un petit truc dans le padding. Là, je suis à 4-2, 4-2. On va mettre en bottom ici, on va mettre un 10. Alors, du coup, le bottom, ah oui, il fait rentrer. Parce que là, on est sur un padding, donc on est sur une marge intérieure. Donc, à moins que je mette un spacer. Bon, on va faire ça. Donc là, on a un bottom à 2. Donc, on va le faire passer à 12. Donc, j'ai rajouté 10. Et donc, pour mon image qui est ici, il faut que je le règle à nouveau. C'est-à-dire que vu que j'ai rajouté 10, il va falloir que j'enlève 5, 5. Non, il faut que j'enlève 10 en fait. Donc je vais mettre à 15. Ça fera 115 par 115. Donc ça, je le note de côté, parce que ça va être important pour tout recaler. Et voilà, on est bon. Donc en fait, ce petit espace va me permettre de mettre les aimants les uns sous les autres en ayant ce petit espace systématiquement. Je vais changer les couleurs également. Donc on est sur un fond. Dans le UI, vous voyez, c'est un truc un peu beige, etc. Donc je vais changer la couleur du texte. Pour les objets de quête, ici, donc je vais mettre un rouge foncé. Très foncé même. Voilà. Pour la description, je vais mettre du noir. Tout simplement.
Sur le côté gauche, donc c'est le nombre qu'on a. On va laisser en noir, peut-être un gris foncé. Un peu dans les rouges. Voilà, pour rappeler peut-être un peu le nom qui est là. Alors, toutes les couleurs là, hein, vous pouvez, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, les mettre de côté. Je vais cliquer sur OK. Bon, le noir, ça, on va quand même le mettre de côté. Mais vous voyez, c'est assez pratique parce que du coup, je peux récupérer en fait comme une espèce de bibliothèque de couleurs. Donc ça, c'est bien pour votre charte graphique pour utiliser en tout cas les mêmes données de couleurs. Et du coup, pour la valeur ici, on va chercher plutôt une couleur un peu gold. Alors gold foncé, hein, parce que le fond est déjà un peu parchemin. On va assombrir ça. Voilà, on va le mettre de cette couleur-là. Et pareil, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc là, on a fini la mise en page de l'interface de l'inventaire joueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer directement ici, dans notre inventaire. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la vertical box item. Je vais taper UI et je vais prendre le UI item ici et je le glisse et pose. Vous voyez qu'ici l'élément s'est bien positionné. Alors on a un petit problème avec l'image, hein. Ça on va le corriger. Voilà. Et puis on voit également que les items se mettent les uns sous les autres. Alors ce premier problème vient du size to content qu'il faut déterminer dans le UI item. Donc je reviens dans le UI item et je coche ici, donc je sélectionne le border. Size to content. Je compile, je sauvegarde. Donc en conservant ce size to content, ça va nous permettre d'éviter un petit souci que je vais vous montrer. Si je glisse et pose dans le vertical box, ici vous voyez que tout se passe comme il faut. Ok, si dans mon new item je décoche ce size to content, et du coup dans mon inventaire, je fais une petite compilation. Hop. Vous voyez, mes éléments en fait vont se coller les uns par-dessus les autres et ça ne va pas marcher. Donc pour éviter ça, si vous avez ça, pensez ici à sélectionner le border, à mettre le size to content, vous compilez, vous sauvegardez. Et ce que je vous invite à faire si vous avez commencé à travailler, c'est vraiment à supprimer tous vos UI items et vous repartez dans la vertical box item sans vos éléments. Vous faites une première compilation, sauvegarde. Et hop, vous placez tous vos éléments. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va même dépasser d'ailleurs notre inventaire qui doit apparaître à l'écran. Voilà. Donc, vous voyez que du coup là, ça va déborder carrément en dehors de l'écran. Et ce qu'on va rajouter dans la vertical box item, c'est la possibilité de rajouter un scroll pour éviter justement que ça dépasse de notre inventaire. Donc pour ça, ce scroll box, vous avez juste un clic droit à faire sur la vertical box item. Vous allez dans le Wrap With et tout en bas, vous avez le Scroll Box ici. Voilà. Donc là, dès que ça va dépasser, on va avoir du coup un système de scroll. Je compile, je sauvegarde. On va tester en ligne, voir ce que ça donne. Et après, on va passer à la prochaine vidéo. Donc j'appuie sur Tabulation et on est bon. Ok, donc je vois bien la scroll box hein, qui est apparue, j'ai même un petit fait d'ombre. Alors je ne peux pas encore l'atteindre, puisque là il va falloir que je détermine maintenant que lorsque j'ouvre la tabulation, je puisse utiliser ma souris. Allez, à la prochaine vidéo, ciao!